la première partie du let's play d'Outlast. Bah déjà j'ai peur. Des piles, c'est incroyable. Et une caméra. Salut Toupoussode, on est Outlast? N'est-ce pas? C'est non. Alors me dis pas qu'on filme à travers la caméra. Oh, ça va être un truc infrarouge. Oh non mon dieu! Mais c'était sûr en fait! Les objectifs sont mis à... Fuck! Et si t'es en difficulté, je peux t'aider, je connais le jeu par cœur. Ok, alors, j'essaie de faire sans spoil, évidemment. Évidemment, pour un peu plus de... Il a eu trop peur, mais j'ai jamais trop peur. Les objectifs sont mis à... Fuck! Pour ouvrir rapidement une porte, appuyez sur X. Pour l'ouvrir lentement, appuyez lentement sur X. Pour ouvrir votre caméscope, appuyez sur RB. Bonjour. Élément, événement enregistré. Ajoute une note dans votre carnet pour la lire, appuyez sur 1. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. Oui, c'est vrai. La ville de Mante Massive, discrètement fermée par les autorités sur fond de scandale en 1971, rouvert par Murkoff Sakafek Systems en 2009 sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler, si l'article réussit à paraître. Très bien, ça me fait une belle jambe. Est-ce que ce jeu a été dirigé par Quentin Tarantino? Est-ce que ça va saigner? D'après ce que j'ai vu, oui. Oh, j'ai pas envie de jouer. Mais vous imaginez même pas à quel point j'ai pas envie d'y jouer. Le prochain sub goal, c'est un truc... Ah, écoutez, à 26 subs, on joue pas à Outlast. Ah! Ah, c'est fermé. Ah bah c'est fermé, le jeu est terminé, non, du coup? Mais quelle idée de rentrer dans un truc chelou tout seul en fait? C'est quoi l'idée à la base? Ah bah tout est fermé. Bon bah c'est pas là. Tu peux courir normalement, bah oui. Ah oui, trouvé! Donc c'est la touche. C'est la touche que je vais sûrement le plus utiliser. Ah! Le mec veut rentrer. Ça c'est du journalisme total. Vous voyez, c'est pas comme maintenant, hein, les petits là, les petits moustachus avec leur MacBook dans la terrasse d'un café en train d'écrire des articles sur Slate ou je sais pas quoi là, hein. Voilà, ça c'est du journalisme. Le caméscope étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide de 1 et de... Incroyable. Une fenêtre cassée. Vous savez que la mouche qui est tombée sur ma main à l'instant m'a fait peur. Cassez-vous la mouche ou je vous nique votre race. Pourquoi les violons là? Pour franchir un espace en sautant, appuyez sur A tout en avançant. GG. Pour bondir vers la mouche, mais. Mais je vais lui niquer sa gueule. Cassez-vous, con de mime! Pour l'instant, ça va, c'est un jeu de plateforme. Voilà. Là, on est bien là. Ah non, 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 non! Et voilà, c'est donc la fin, la fin de Outlast. Non, 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 mais non, mais... Allô? Maman? Pour activer la vision nocturne. Oh non, mon dieu. Je transpire des mains déjà, non? Ah! Oh mon dieu! Ah non, je peux pas. Je vais pas pouvoir, je suis désolé, hein. Je transpire. Quelqu'un? Non, y a personne. Quelqu'un? Non, y a personne. J'ai pas eu peur, hein, by the way. Non mais il y a une mouche qui me troll. Elle va se poser sur ma main à un moment critique, je vais péter un câble, la manette elle va voler à travers la pièce. Regardez, l'horreur. Ah, des traces de pas.
J'entends des bruits de pas. Ah non, c'est le ventilateur. Ok, j'ai rien dit, c'est la lampe là-haut. Coucou. Ah oui, allez-y les violons. Oh putain de merde. Ah, la porte est fermée. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Notez bien. Je sais pas quelle heure il est. Notez. Heure du décès. Il y a quelqu'un derrière. Ah, du sang. Oh, du sang. Ok, il y a des gens là-dessus. Il y en a partout. Au secours! Tiens, on va fermer la porte dans le doute. Tiens, voilà. Cassez-vous. Pourrons le conduit d'aération sauter à l'aide de A. Non, j'ai pas envie. Est-ce que quand on marche dans le sang, ça fait des traces de pas? Oh putain, ça fait des traces de pas dans le sang. Comme ça, on peut induire. Attendez, on va induire nos pourchasses, ceux qui nous suivent en erreur. Regardez, on va tourner en rond. Comme ça, il va être tout confus. Ils pourront jamais nous suivre. Regardez, oh mon dieu, il est au frigo, il est peut-être dans le frigo. Voilà, regardez, là, le mec, il rentre, il sait pas où je suis. C'est une astuce. S'il y a quelqu'un dans le conduit, je vous préviens, j'ai le TF4. Pitié. Pas de jumpscare. Il y avait quelqu'un qui était là. Regardez, ça a marché notre technique. Il était complètement perdu. Monsieur, ah, il est décapité. Allez, on avance, on n'a pas peur. Ah. Ah. Il y a quelqu'un! On a vu quelqu'un. Ça fait combien de temps qu'on joue là? 2 heures, non? Bon bah, bon courage, monsieur, hein. Voilà, je vais. Bah, c'est bon, il a vu ce qu'il fallait voir. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! Bonjour madame. Mais je sais pas. Je sais plus qui je suis. Il m'a appelé petit cochon quand même, hein. Au pire, il meurt et on n'en parle plus. Oh là. Oh là là. Il est alors 21h14, c'est l'heure de se coucher. Madame? Monsieur? Où est le local de la sécurité, s'il vous plaît? Monsieur? Super. Pas très bavard ici, hein. Y'a quelqu'un là-bas? On paraît que lui, quand on va le voir, il va sortir, il va bouger. Ah bah il bouge en fait. Nickel. Il bouge. Il a bougé ce con. Personne à droite. Par contre, y'a quelqu'un là. Mais qu'est-ce qu'on fait là du coup? Il va se retourner, il va nous faire peur, c'est sûr. Mais c'est sûr! Ah non. Oh putain! Messieurs? Vous entendez derrière moi derrière? Vous entendez derrière? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait. Et moi, dès que je joue à un jeu d'horreur, les gens sont là. Bah, mec, franchement, ça fait pas peur. Je veux dire, attends, mec, franchement, c'est ridicule d'avoir peur pour ça. Enfin, attends, il y a des choses bien pires dans la vie. Pitié, bougez pas. Je vous en supplie. Par pitié. Par pitié. Ah, mais c'est sûr. Mais c'était sûr, en fait. On parlait que lui, quand on va le voir, il va sortir, il va bouger. Oh putain de cul. Ah. Eh ben apparemment, il y en a une qui a ses règles. Ah. Voilà, il faut mettre un son de beauf derrière, voilà. Fallait que je le dise. Witness. Et ben voilà, c'est Witness. C'est dans la boîte. Ah bah apparemment c'était dans la boîte. Je suis déjà en piteux état. Quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cuir chevelu.
J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe à fromage. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de poupon alcoolique habillé à la manière d'un prêtre et qui m'a appelé son apôtre. J'avais pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça non plus. Il y a des mots tracés en lettres de sang un peu partout. J'ai la sale impression que c'est le prêtre qui les a écrits, à mon intention. Très bien. Appuyez pour déverrouiller les portes principales. Allons-y, piratons le système. Il y a quelqu'un là. Ah, c'est le prêtre. Ah non. Non, 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 non. C'est pas bien parce que vous voyez, mon rythme cardiaque est redescendu. Et du coup, j'ai peur.